Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour les énergies de ce mardi 28 mai 2024. Voilà, avant de commencer, petite philosophie du matin de ce 28 mai, appréciez ce qui est fait. Parfois, il est bon d'apprécier ce qui a été accompli au lieu de se focaliser sur ce qui reste à faire, c'est-à-dire voir, bien, en deux mots, le verre à moitié plein, au lieu de le voir à moitié vide. Voilà pour la petite philosophie de ce 28. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé l'ange de la force, mais encore à l'envers. C'est le pouvoir personnel et la force intérieure, mais comme elle est à l'envers, eh bien, voilà. Voilà. Alors, cette carte indique, eh bien, que vous ne percevez pas que votre propre pouvoir est bien réel. Vous vous voyez peut-être comme étant une personne faible ou inefficace, et ça, c'est à cause du manque de confiance en vous. Ou peut-être que dans votre enfance, dans votre adolescence, on vous a dit « tu ne feras jamais rien de bon de ta vie », etc., etc. Eh bien, la situation dans laquelle vous êtes vous semble peut-être accablante, mais vous avez la force de trouver une solution positive. Bien sûr, vous avez de ressources cachées, n'est-ce pas? Comme tout à chacun. Alors, on vous invite à ne pas tomber dans vos vieilles habitudes, de donner votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Vous avez les épaules, bien sûr. Vous êtes maître de vos actions, de vos décisions. Quand vous laissez les autres définir qui vous êtes ou prendre des décisions à votre place, eh bien, vous cessez de créer votre propre destin, n'est-ce pas ? Vous laissez votre destinée à d'autres. Est-ce que ça, c'est ce que vous désirez? Non. Vous êtes unique. Vous avez un cheminement personnel à faire sur cette terre. Alors, ne laissez pas le pouvoir aux autres. Vous avez votre propre pouvoir. Méditez sur la lumière éclatante et vibrante de ce bel ange et rappelez-vous le pouvoir éternel qui déferle dans votre vie. Il est temps de reprendre votre vie en main, n'est-ce pas? Si maintenant vous êtes sous l'influence d'une personne, d'un manipulateur, sous l'influence d'un supérieur, je parle ici dans le domaine professionnel, si vous êtes, comment, oui, ça peut être sentimental, ça peut être, voilà, un manipulateur pervers. Il est temps de reprendre votre vie en main et ne pas la laisser aux autres. Et vous pouvez le faire. Vous avez les capacités à le faire. Si maintenant, c'est au point de vue de vos enfants, eh bien, c'est exactement la même chose. Vous pouvez le faire. Alors, l'affirmation pour aujourd'hui, au plus profond de mon être, il y a une force éternelle qui ne connaît aucune limite. Je possède tout le pouvoir dont j'ai besoin pour accomplir tout ce que je veux. Ne laissez pas votre vie dans les mains de quelqu'un d'autre. Reprenez votre vie en main. Ça parlera à certains, ça parlera pas à d'autres, n'est-ce pas? Soyez bien à l'aise hein, pour prendre ce qui vibre en vous. Et je termine avec le message de ton âme
Ah ben, persévérer. Ah ben voilà, encore une belle synchronicité. Tu as envie de baisser les bras. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Persévérer, voilà. Vous allez prendre la décision de reprendre votre vie en main, et bien vous persévérez parce que vous y arriverez. Quand on veut, on peut. Et on se donne tous les moyens pour y arriver. Quel beau message, n'est-ce pas? Eh bien voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, prenez soin de vous, de ceux qui vous entourent, de ceux que vous aimez. Prenez soin de vous, mais en douceur. Voilà, il faut avoir de l'indulgence envers vous. Soyez indulgent envers vous. Et puis, moi, je vous embrasse et je vous dis à demain pour un nouveau message. À demain.